was the first thing she said to me. Never a dull moment. New day, new friends, same old me. Such a waste. Destination is clear. I am living change. Nom, 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 nom. Will you put up a good fight? Up for a showdown? Never a dull moment.
determination is clear. Pourquoi il garde 4 Kog'Maw for fun? Il y a un bounty sur ma tête, j'ai l'impression. Hein. Et il fait Kog'Maw 3 sur son bench pour le fun. Je me fais griffe à toutes les games, c'est... Même en tournoi, c'est... Ok, ça va, il l'a revendu. J'ai juste envie de me flinguer là, genre c'est pas marrant, c'est... Il voit bien que j'ai ça, tu vois. Ouais, on pourrait mettre la lune. De toute façon, à terme, c'est juste... Thank you.
MP on prend hein. Destination is clear. Up for a showdown? Travel awaits. Never a dull moment. I am living change. Flower blooms to be seen. How do we never sleep? Never a dull moment. Oblivion come.
showdown. Je sais que j'ai Nico. Je sais. Merci Anonymous Moss pour les 39 points. Enfin respirer un peu là. Such a waste. Pourquoi ne pas push Eloy? Ah.
c'est trop dur. C'est trop dur, mes games. Ils sont trop durs. J'arrive juste pas. Les games sont trop durs. Putain de Sweller. Trop, c'est... C'est un criminel, hein. Il a fait une hoche Kog'Maw. Et il sait très bien que je peux pas pivoter, genre. Please, dis-moi qu'il y a une cloque là-dedans. Bah, faut tenir, hein. Bonne chance à nous. Ah, c'est juste un autre bottom. Ok, winnable. C'est bien. Ça va toi.
GG, perdu. Moins que. Ok, top 5. Vas-y, 2, 7, 2. Il y a tout qui s'est mal passé. La Caitlyn qui a one shot le mannequin généré par Azir. La Lilia qui casse sur le mannequin plutôt que taper sur les trucs en backline. Trop, c'est une dinguerie. Lilia 2 en un roll au 8, c'est déjà pas mal. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que cette game, j'aurais dû avoir Kog'Maw 3, Sho'Gath 3 beaucoup plus vite que ça, tu vois. Mais en fait, comme Sweller Tiger a décidé de reroll Kog'Maw Sho'Gath avec Treat Sector et genre absolument aucun item pour sa comp, en fait, j'ai mis deux plombes à trouver parce que du coup, avec son fucking Treat Sector, il avait déjà Sho'Gath 3 en 3-1, tu vois. Et le truc, c'est que c'était sûr qu'il allait faire top 8. Parce qu'il a les pires augmentes, il avait le pire start, et il a juste décidé de jouer ça for fun, mais genre for fun, tu vois. Et sans ce trou de balle dans ma game, je fais un bon top. Sans ce trou du cul, je fais un bon top. Vraiment. Je parle même pas de Muji qui hold 6 Kog'Maw en early game. Mec a hold 6 Kog'Maw en early game, hein. Il en avait 6, il en avait 3, il en avait un Kog'Maw 2 sur son board, un sur son bench. Il jouait quoi? Il avait un mannequin avec Bruiser Heavenly. Bruiser Heavenly, le mec il se dit tiens, je vais garder 6 Kog'Maw parce que c'est, ça a l'air rigolo de garder des Kog'Maw. Mais mec, je vous jure, toutes les games, il se passe des trucs comme ça, tu vois. Et à côté de ça, genre Reaper, la compo la plus broken du jeu, personne le conteste. Personne, gros, regarde, il fait Kane 3 tellement il s'en bat les couilles. Personne!
personne le conteste, gros, personne. Personne, pas un mec le conteste. Moi, par contre, je joue un build que personne joue. Y a un mec qui me conteste et un mec qui hold mes persos for fun. Et c'était pareil tout à l'heure, genre. Je suis là, je prends genre Lucky Ricochet en 2-1 et y'a un mec qui se dit tiens, je vais prendre un item claqué au sol, je vais reroll Bard. Il fait quoi? Il joue des trick shots, il fait top 8. Et genre là, il m'arrive exactement la même chose. Un mec qui conteste for fun et qui fait top 8. Deux games sur 4. Genre un tournoi se joue en 6 games. Si 2 games sur 4, t'as deux fils de pute qui s'amusent à te niquer ta game. Comment tu veux te qualifier, gros? Comment? Qu'est-ce que je peux faire en fait dans ces games? Ma game 3, on peut en parler aussi? Non mais les gars, c'est... C'est... Ouais. Ah, bref. Vas-y, je vais juste passer à la suivante et puis tant pis. Il en reste une du coup. Ah, il reste deux games là. Last of Game, c'est 6 games en tout. C'est une folie les gars ce que je me prends, genre c'est une folie hein. En fait si genre juste les gens jouaient leur game etc, mais c'est pas juste ça, c'est genre là vraiment j'ai l'impression qu'il y a un bounty sur moi, genre j'ai l'impression qu'il y a une bounty sur ma tête, genre il y a un avis de recherche sur moi et genre t'es payé quand tu me griffes. Je vois pas d'autre explication en fait, c'est redondant là. Je comprends pas comment Shining Star avec son board il gagne autant. Attendez, on va revoir un peu tout ça. Ok, Lux 3, Janna 3, ok, ça c'est fort. Amumu 3, il y a un TG sur ce Amumu 3. Slate of End. Et il a déjà le Lotus, ok. Oh, le Lotus il carry pas mal. Hein. Parce qu'il a Slate of End, double TG avec un Lotus. Mais tu vois, le truc c'est qu'il est niveau 8 et en face, c'est un mec qui stack Dryad depuis je sais pas combien de tours. Qui a Syndra 2, Azir 2, Horn 2, 7-2, avec une Moonstone, une random spat Ghostly, et ça là qui lui fait Ghostly Bruiser. Normalement ce board gagne, mais non. Non il gagne pas. Après c'est pas un bon matchup, en vrai je pense que c'est matchup diff. Parce que la Lux elle peut sniper la Syndra assez rapidement. De toute façon, je suis heureux. Prochaine game, je suis plus avec l'un. Je suis plus avec ces mecs-là, genre. C'est bon. Entre les mecs qui ont des games goldés et les mecs qui griffent, c'est ce lobby m'a donné envie de. Je jure, gros, c'est. Cette game. Je jure, elle m'a trop foutu les nerfs. Les deux games-là, je. M'ont foutu les nerfs. Ok, bon, il gagne avec son setup. Surprenant. Je pensais pas qu'il allait top 1, tu vois. Je pensais qu'il allait faire genre 2 ou 3 et que ça allait être le fait peut-être qu'il allait gagner. Mais ok, il fait top 1. C'était quand même bien optimisé son setup, c'est vrai. En fait, ses augmentes sont insane. En fait, le trade secteur était à chier. Enfin, il était pas à chier, c'est bien sur cette map. Mais derrière, en fait, il a vraiment eu des augmentes pixels de zinzin et tous ses items étaient incroyables, tu vois. Genre, il a Beast sur Janna. Il a 3 très bons items sur Lux,
Il est arrivé à avoir 3 items Morgana, il a TG sur Annie 2, il a TG sur Amumu 3 avec Slate of End into Jewel Lotus qui fait que tous ses persos peuvent crit, dont les mecs qui ont des TG, du coup TG plus Jewel Lotus ça synergie super bien ensemble. Et en plus, il a réussi à avoir 3 items sur Illaoi, dont Ionic plus Diclo. Et Ionic Diclo ça demande 3 cloaks. 3 cloaks sachant qu'il a aussi un Adaptive ici, tu vois. Vraiment, en fait, genre, il a dû vraiment avoir une réussite de zinzin au niveau des items. Et en plus de ça, des rolls pour pouvoir avoir toute sa comp niveau 3. Moi, la game d'avant, j'étais 2 fois plus riche que ça.